Bonjour, bonjour, ici Stéphane et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ma semaine numéro 13, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai regardé comme film, comme série et les jeux que j'ai joués pour cette semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine encore une fois. Et on va commencer par les films que j'ai vus 5 films pour cette semaine. J'ai vu Afterlife avec Christina Ricci, Justin Long et Lynn Lanson. Lynn Lanson, un peu un fou quoi, Lynn Lanson pour ce film. Lynn Lanson diabolique dans un thriller fantastique et perviable. Voilà. Un bon film ça, et ce film là il est sorti en 2014 ce film là, je vous le conseille vraiment, un très 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 bon film ça, ceux qui aiment bien les thrillers, je vous le conseille vraiment ça, un excellent film, pour un film de 2014, très bon film ça, voilà, je vous mets un peu les photos. Ça c'est un bon film, Lynn Lanson, très 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 bon. Après un film, un homme très recherché, un peu l'histoire, c'est un terroriste, voilà. On doit retrouver le terroriste, quoi. Voilà. Là il y a Phil Lindom Hoffman, Rachel Adams, Willem Dafoe et Robbie Wheeler. Et puis un hommage à cet acteur, hein. Ça fait longtemps qu'il est décédé, hein. Cet acteur là, celui-là, lui là, ça fait longtemps, il y a 2 ans je crois, il est décédé, c'est son dernier film je crois, si je raconte des conneries à vous me dire, un bon film ça, La Taupe, tout ça, voilà, c'est un film qui trouve le terroriste, et ça c'est un excellent film, je vous le conseille vraiment. Et ce film là il est sorti en quelle année, en 2015, il y a 2 ans, voilà. Il y a 2 ans il est sorti, mais ça c'est un excellent film, voilà, excellent film ça, voilà, je vous montre un peu qu'est-ce qu'il y a derrière, voilà. Ça c'est un excellent film, je le conseille vraiment. Ah celui-là, mon coup de cœur de la semaine, celui-là. C'est Renaissance d'un champion, avec Samuel L. Jackson et John Hartnett. Voilà. Un excellent film ça, mes amis. Voilà. En fait, c'est l'histoire d'un boxeur qui fait. Je vous spoil pas un peu le film, mais il est émouvant ce film-là. Et je vous le conseille vraiment. Et ce film-là, il est sorti en 2007, ça fait 10 ans déjà, hein. 10 ans qu'il est sorti, je raconte pas de conneries, en 2010, pardon. En 2010, il est sorti, il y a 7 ans, voilà, il y a 7 ans, il est sorti. Et ça, je vous le conseille vraiment, ça, un bon film avec un très bon acteur, Samuel L. Jackson. Et je vous le conseille vraiment, ce film-là, Là, je vous montre un peu qu'est-ce qu'il y a derrière la télé. Attendez, je vais vous mettre un peu de musique, mais ça a bugué un petit peu. Oh, ça va partir. Après, on y va par un film un peu dans les machins, ça, parce que ce film là c'est Contagion, mes amis, Contagion, en fait c'est il y a un virus Gripray, avec des bons acteurs dedans, il y a Marion Cotillard, Matt Damon, Laura Fabulous, John Woo, Gary Patterson et Kate Winslet, des excellents acteurs dedans, beaucoup d'acteurs connus,
fait, l'histoire a un peu. Il y a eu un virus, voilà. Ça a commencé à. En Chine, hein, voilà, en Chine. Et voilà. Ils vont trouver un peu le vaccin, tout ça. Et voilà. Voilà. Et ce film-là, il est sorti en 2012. 2012, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il montre pas trop de dimanche, voilà. Mais ça va encore, hein, un bon petit film, ça, à regarder. Voilà. Et après, le film, le plus vieux film que j'ai vu, hein, ouais, comme d'habitude. Hein. Toutes les semaines, je regarde un petit film de cet acteur. Je suis au même, Jean-Claude Van Damme, un peu, et j'ai regardé Time Cop, voilà, un très bon film, Time Cop. Et ce film-là est sorti. En 94, voilà, 94. 94, ce film-là est sorti. Et je vous le conseille vraiment. Voilà. Et bon, dans le futur, tout ça. Voilà. Je vous spoil pas un peu le film, c'est que. C'est que à vous de découvrir ce film-là. Voilà. Je vous montre un peu les images. Ah, c'est vieux, hein, voilà. Et voilà. Après, on passe par les jeux vidéo. J'ai joué à deux jeux. J'ai continué mon aventure de Demon's Souls. De Demon's Souls, voilà. J'arrive toujours pas à battre ce chevalier. Chevalier. Voilà. Toujours pas à battre ce chevalier de la première tour, là. Mais je pense je vais booster mon Gugus. Je vais essayer de booster mon Gugus parce que chaque fois que je meurs, cette partie-là, vous comprendrez quoi. Mais il faut que je booste mon Gugus pour avancer, sinon j'avancerai pas. Voilà. Mais c'est un excellent jeu, ça, voilà. Un hardcore. Voilà. Et j'ai continué mon Alien Isolation aussi. Excellent. Enfin, on rencontre l'alien. Je suis au chapitre 5. Allez, j'ai rencontré l'alien. Voilà. Qui m'a sursauté. Sursauté ce film, ce jeu-là. Voilà. Un bon jeu, ça. Et voilà, c'est fini pour les jeux que j'ai joués. Et j'ai regardé deux séries sur Netflix. Je vais vous montrer. Les séries que j'ai regardées. Bah, j'ai regardé cette série-là. Attendez, je vais vous mettre un petit masque. Il y a une petite vidéo maintenant qui montre. Voilà. Ouais, je vais vous montrer un peu l'alliance. C'est The Renant. Voilà, un peu. Mais c'est pas mal ça, je vous conseille vraiment cette série-là. Moi, je vous montre un peu qu'est-ce qu'il y a comme truc, voilà. Et cette série-là. Et après, la nouvelle série de Marvel, après j'ai regardé Iron Fist, attends. Je trouve cette série. Voilà, j'ai regardé la Iron Fist, la première saison, voilà. Monte un peu voilà à jouer, je vous montre pas le son pour avoir les droits d'auteur, hein, je sais pas quoi. Voilà, mes amis, hein, c'est fini, hein, pour ma semaine numéro 13, voilà. Et puis là, il y aura des vidéos pour cette semaine. Il y aura quoi? Il y aura la vidéo mes recherches PS4, mes recherches PS4 et ma FAQ. Faudra que je la fasse pour cette semaine.
la youtubeur qui m'a demandé ça, il faudra que je la fasse. Je la ferai peut-être demain, je la ferai peut-être demain, mardi. Si j'ai pas trop de boulot pour cette semaine, je la ferai demain. Encore désolé hein, pour les gens qui m'ont posé des questions, mais j'avais pas trop de temps. Mais demain, j'aurai du temps, je ferai ça avant de faire ma vidéo recherche PS4. Et voilà. Il m'a fait les boules la musique. J'y mets un peu de musique de Demon's Souls. Voilà. Demon's Souls. L'ordinateur. Bon, hein, mes amis, hein, on va je vous laisser. Passez de bonnes semaines encore une fois. Et à demain pour ma FAQ. Je la ferai ça là, demain après-midi. Et voilà, quoi. Et puis, si vous avez quelqu'un qui a regardé cette série, hein, vous me direz la même série Marvel Iron Fist. Voilà. À vous de me dire si elle est bon, si elle est bien ou pas. Moi, j'ai un peu. Le début, c'est un peu mou. Quand même, ils expliquent comment c'est passé son accident d'avion avec sa famille là, voilà. Mais c'est un peu mou là, au début, mais après à la fin ça va. Et puis pour l'autre série demain, j'aurai pas de deuxième saison parce que j'ai bien aimé hein, j'ai bien aimé cette série là. Voilà, attendez. Là, j'ai bien aimé cette série-là, mais dommage quand même, il n'y a pas de deuxième saison. Voilà, comme j'ai dit la semaine dernière, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent, ils coupent la série. Voilà. Mais dommage, mais c'était une bonne série, ça. Les gens qui reviennent à la mort et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. On ne saura jamais parce qu'il n'y aura pas de. Dommage, il n'y aura pas de deuxième saison, quoi. C'est un peu déçu pour ça, mais voilà. Bon, je vais vous laisser, les amis. Je vous dis à demain pour ma FAQ. Je ferai ça demain après-midi. En plus, il n'y aura pas beaucoup de monde. En plus, je serai tout seul chez moi et je ferai ça demain après-midi. Voilà. Il y aura toujours Milan Play, il y aura Milan Paix aussi, des jeux que je joue en ce moment, mes 4 jeux là je joue. Voilà. Bon, je vous dis à plus, jouez bien et à demain pour ma FAQ. Voilà, sur Jaffray demain. Allez, ciao et à plus.